Bonjour les enfants, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Alors moi aussi, je vais vous raconter pour aujourd'hui un nouveau conte. Puisque nous sommes en été, alors il vaut mieux de lire quelques contes, quelques histoires qui sont jolies, qui sont amusantes. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter le conte de Joha. Joha et la lune. Joha et la lune, c'est le conte d'aujourd'hui. Alors suivez avec moi s'il vous plaît. Alors un soir, voilà. Un soir, Joha alla puiser de l'eau. Un soir, c'est le soir. Joha alla puiser de l'eau. Il s'accouda à la margelle. À la margelle du puits et aperçut la lune qui se reflétait dans l'eau. Elle crut que celle-ci était tombée au fond. Il décrocha le seau. C'est ce qu'on appelle le seau. Il décrocha le seau. Servant à puiser l'eau. Puis il fit descendre la courte au bout de laquelle se trouvait un crochet, s'imaginant ainsi pouvoir attraper la lune et la sortir du puits. Alors le crochet finit par se prendre entre les pierres de la paroi. Voici ce qu'on appelle la paroi. Ça veut dire petit mur ici. Duha crut qu'elle avait attrapé la lune. Il tira de toutes ses forces sur la corde. En vain. Il s'obstina. Ça veut dire le crochet. Il s'obstina et soudain le crochet remonta brusquement et vint le frapper en plein visage. C'est ce qu'on appelle le petit crochet ici. Hein. Voilà le crochet. Duha fait projeter en arrière. Il se retrouva allongé sur le sol. Il aperçut à la fin qu'alors la lune au-dessus de lui. Il dit, j'ai réussi à le remettre à sa place, s'écria-t-il satisfait. Voici donc la lecture maintenant. Joha et la lune. Un soir, Joha alla puiser de l'eau. Il s'accouda à la margelle du puits et aperçut la lune qui se reflétait dans l'eau. Il crut
que celle-ci était tombée au fond, il décrocha le seau servant à puiser l'eau. Puis il fait descendre la corde au bout de laquelle se trouvait un crochet, s'imaginant ainsi pouvoir attraper la lune et la sortir du puits. Le crochet finit par se prendre entre les pieds de la paroi du rat. Crie qu'il avait attrapé la lune. Il tira de toutes ses forces sur la corde. En vain. Il s'obstina et soudain le crochet remonta brusquement et vint le frapper en plein visage. Ja fait projeter en arrière et se retrouva allongé sur le sol. Il aperçut alors la lune au-dessus de lui. Il dit: j'ai réussi à la remettre à sa place, s'écria-t-il satisfait. Alors, ce conte à la maison, d'après Jean Mizi, Dja et la lune, s'entendent au conte tunisien. Voilà. Alors, j'espère que vous avez bien compris ce conte. Voilà. Je vais vous raconter d'autres contes, d'autres histoires amusantes pour vous, mes chers élèves, mes chers enfants qui sont sages. Alors, au revoir et à très bientôt.